Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 22 février 2021, 8h48. Alors, du Québec, non, on n'est pas sur Mars, non, c'est pas le rover Persévérance qui nous retourne des images sur Mars de chiens extraterrestres bleus. On est bien en Russie, où, il y a quelque temps, des citoyens ont vu errer des chiens avec leur fourrure bleue. Et tout le monde a été quand même renversé, estomaqué. Il y avait d'abord des chiens errants bleus vifs, puis des chiens verts brillants. La Russie tente de résoudre le mystère de ces chiens apparus dans des zones industrielles distantes de plusieurs centaines de kilomètres, imaginez-vous. Les médias russes rapportent que les chiens semblent en bonne santé et mangent bien, mais on craint toujours qu'un produit chimique toxique tel que le sulfate de cuivre ait provoqué le changement de couleur. C'est rien de moins que ça. Imaginez, on est face à un casse-tête environnemental, encore une fois. L'usine produisait du verre acrylique et de l'acide prussique. On soupçonne que les chiens se sont roulés dans un colorant bleu en poudre à l'usine. Le 13 février, les chiens ont été amenés dans une clinique vétérinaire de Nijni-Novgorod, où des échantillons de sang et d'excréments ont été prélevés. Des traces de colorant bleu de Prusse ont été trouvées dans leur fourrure. Wow! Les images sont devenues virales après que les médias locaux ont rapporté l'étrange meute de chiens. Le 11 février, jeudi, plusieurs chiens à la fourrure vert vif ont été vus errant autour de Podolsk, une ville industrielle à 37 km au sud de Moscou. Dans ce cas, selon un ministre régional de Moscou, les chiens ont été vus près d'un entrepôt abandonné où des sacs de peinture verte en poudre avaient été stockés. Vraiment hallucinant. Je vous laisserai le lien, vous allez voir, ces chiens-là sont... Surprenant. Mais certains Russes sur les réseaux sociaux soupçonnent que les chiens de Podolsk ont peut-être été délibérément peints pour une blague malsaine, car les chiens bleus vifs avaient impressionné tant de gens auparavant. Donc, ceux qui sont en vert, on peut penser peut-être qu'ils auraient été colorés de cette façon-là par des gens pour un canular. Les vétérinaires ont également examiné les chiens de Podolsk. La cause de leur fourrure verte n'a pas été définitivement établie, mais comme dans le cas de Dzernisk ou Zingst, les chiens semblent assez sains et amicaux, quelle que soit la cause de la fourrure de couleur vive. Les cas mettent en évidence le risque continu de pollution chimique en Russie, qui compte de nombreuses anciennes usines industrielles, en partie en héritage du communisme, hein, et qui ont été abandonnées naturellement par les autorités. Donc, on n'est pas sur Mars, mais on est bien en Russie. Deux jours seulement après l'atterrissage en toute sécurité, Persévérance, hein, nous raconte Strange Sound de la NASA sur Mars. Le rover envoie ses premières images mystérieuses des chiens bleus étranges. Eh bien non, on était en Russie. Les chiens ont été repérés près d'une usine chimique abandonnée de la ville de Dzerzings, à environ 230 000 à l'est de Moscou. Les gens étaient très préoccupés par l'exposition potentielle à des produits chimiques dangereux que les chiens auraient pu subir. Est-ce qu'on est visité par des martiens? Eh non, l'ancien directeur de cette usine en faillite a déclaré que l'installation était utilisée pour produire du plexiglas et de l'acide cyanhydrique, bien que l'usine ait fermé il y a 6 ans. Certains bâtiments abritent encore des produits chimiques, comme le sulfate de cuivre, que les chiens ont peut-être, dans lesquels les chiens se sont peut-être roulés, faisant en sorte qu'ils sont devenus bleus. Des militants russes des droits des animaux se sont impliqués et ont réussi à amener 7 des chiens chez un vétérinaire qui a constaté que les chiens n'avaient pas de complications pour la santé, seulement une fourrure bleue. Donc, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description. Une autre preuve que, pas seulement en Russie, mais un petit peu partout, on fait face à une crise environnementale qui est une bombe à retardement.